d'ailleurs il est mort d'un... d'un missile dans le genou. Ah. Ça doit être par... Ah, c'est par où? Ah. Par là. Des boutons. Ah ok. Ah. Saleté. Une sauvegarde rapide. Ah si, c'est bien. Ah merde, tant pis. En fait faut se mettre super loin pour mettre les deux os pour pas être pris dans le flash. Hop là! Faut prévenir les gens. Ah, et là, je l'ai regardé la grenade, mais j'ai pas été ébloui. Oh, ça c'est fait. Alors, pose de contrôle B. Oh. Comme si on avait le temps. J'ai vu l'élément 0. Là. Fusion du réacteur interrompue. Diminution de la température. Vous avez fait tout ça pour rien, Shepard. Je peux encore surcharger les... Je peux plus bouger. Ah, c'est... Arrêtez-moi si vous pouvez. Mais je peux. Je vais te montrer ça de suite. Éloignez-vous du réacteur. Vous avez tout gâché. Ils ne veulent plus parler à présent. Retournez-vous. Tout de suite. À cause de vous, je ne verrai jamais l'arrivée des moissonneurs. Pourquoi vous êtes-vous réveillé? Rien de tout cela ne devait arriver. Kenson, non. Vous pouvez encore tout arrêter. Il est encore temps de fuir. Non, c'est impossible. Dans le genre combien de temps? Joker, ici Shepard. J'ai besoin de vous de toute urgence. Système de communication endommagé.
Oh fuck. Mais où je peux trouver une navette ? Prenez l'ascenseur. Dans ton... Bref. Puis dirigez-vous vers la tour de transmission. Les navettes se trouvent sur la plateforme d'atterrissage de la tour. Je dois atteindre la tour et prendre une navette. C'est ma dernière chance. Tayo ! Allez, on se dépêche, on veut se barrer. Alors. Servir. À condition que tu t'en sortes. Oui, ça va, je sais. Hop là. Boom. Bong bong bong. Allez. Oh, il est parti. Space. Space. Ah, raté. Allez, arrête de tirer. Aïe. Cours de transmission, c'est là-bas. Shepard à Normandie. Joker, vous m'entendez? Oh! Shepard, vous devenez une gêne. J'espère bien. Contre l'inévitable. La poussière tente-t-elle de détourner les vents solaires? Le sacrifice de ce système stellaire sera vain. Votre civilisation est condamnée, Shepard. Bientôt vos plus grands chefs se prosterneront devant nous. Que dalle. Vous avez peut-être raison. Nous sommes peut-être condamnés. Mais nous nous battrons jusqu'au bout. Nous ne baisserons pas les bras. Nous ne reculerons devant aucun sacrifice pour vous vaincre. Nous trouverons un moyen. Les humains ne renoncent jamais. Votre heure est venue. Votre espèce aura bientôt disparu de la galaxie. On parie. Préparez-vous à notre arrivée.
Ah. D'où le nom du DLC, l'arrivée. Commandant Shepard, Normandie en approche. Roger. On se casse. Ouais, fais-nous rêver, mec. Oh, ultime humiliation, en plus, je prends le relais juste avant qu'il explose. Mmh. On dit nul sacrifice, nulle victoire, mais là, pour le coup, il est cher le sacrifice. Vous avez l'air en forme. Amiral Hackett ? Vous avez vécu un véritable enfer, à ce qu'on m'a dit. Comment allez-vous ? Ça peut aller. Je n'ai plus de vision, en tout cas. Mais je ne m'attendais pas à vous voir ici. J'ai préféré assurer moi-même votre débriefing. Je vous devais bien ça, Shepard. C'était avant que l'explosion du relais cosmodésique ne réduise un système butarien entier à néant. Que s'est-il vraiment passé, commandant ? Bah... Le docteur Kenson avait vu juste. Les moissonneurs préparaient une attaque. Détruire le relais était le seul moyen de les arrêter. Kenson m'a placé sous sédatif pendant presque 2 jours. J'ai refait surface juste à temps pour contrer les moissonneurs, mais trop tard pour prévenir les butariens. On n'a retrouvé aucun survivant sur Aratoth. Au moins vous avez essayé. Hop, je suis désolé, il y a mon téléphone qui sonne. Selon vous, la menace d'invasion des moissonneurs était donc réelle ? Oui, bien réelle. On est passé tout près de la catastrophe. Je suis sûr que tous les détails sont dans votre rapport. Je ne vais pas vous mentir, Shepard. Les butariens vont exiger votre tête. Et nous ne pouvons pas nous permettre une guerre contre eux en ce moment. Pas avec les récolteurs là dehors enlevant nos colons. Que voulez-vous dire ? Je sais que vous aviez toutes les raisons d'agir comme vous l'avez fait. Mais vous avez causé la mort de 300 000 butariens, Shepard. Et heureux, chers amis. Alors, encore désolé pour ça. Je sais que vous avez... Leur mort a sauvé des milliards de vies. Si j'avais pu les sauver aussi, je l'aurais fait. Vous prêchez un converti, commandant. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous donnerais une médaille. Malheureusement, tout le monde ne sera pas de cet avis. Ça, je m'en doute un peu. Que suggérez-vous dans ce cas ? Les preuves contre vous sont plutôt minces, mais vous devrez rendre des comptes à la Terre. C'est inévitable. Je ne peux rien faire pour empêcher ça. Mais je peux repousser l'échéance. Ouais, d'ailleurs, ça te fait rien que je sois chez Cerberus ? Je ne m'attendais pas à vous voir ici, à bord d'un vaisseau de Cerberus. Je n'apprécie guère les méthodes de Cerberus, c'est vrai. Mais personne d'autre ne semble comprendre l'urgence de la situation, alors que... Ils agissent pour la galaxie. Donc, pour l'instant, je reste votre allié. Ok. Bon. Ben, écoutez. Dès que la mission sera terminée, j'assumerai mes responsabilités avec plaisir. Content de voir que travailler avec Cerberus n'a pas affecté votre sens du devoir.
Encore faut-il. Pour l'instant, faites comme si de rien n'était. Mais tenez-vous prête à comparaître devant un tribunal. Encore faut-il qu'on se... En attendant, gardez ça. Je n'ai pas besoin de lire votre rapport pour savoir que vous avez pris la bonne décision. Oui, amiral. Vous avez fait du bon boulot, commandant. Bon, c'est bon, tu me laisses parler ? Ouais. Donc je disais, encore faut-il qu'on sorte vivant de la mission. Ah oui, oh oui, oui, ça j'achète direct. Alors, pour le coup, les DLC c'est bon, j'ai envie de dire. Voilà, on va vérifier où on en est. Ben voilà, là il reste ça et ça, j'ai envie de dire. Ok. Donc, on pourra attaquer. Arrêter les récolteurs. Chercher le module d'identification, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je sache? Il y a quelque chose. Rien pour... Autre chose, commandant? Ce sera tout. Si vous avez besoin de... J'ai pas de message. Alors, les améliorations. Et ensuite, je pense que je vais m'arrêter là. Munition armée en l'eau. Oh, carrément. Ça, c'est l'élément 0. Non. Hop, palladium. Oui. Ça, c'est quoi, en fait? Ouais, c'est un lance-missile. Bah, sachant que j'utilise le projecteur arc, je vais plutôt prendre les munitions. Voilà. Lance-missile. J'ai envie de dire que ça va me servir à rien. Et ben voilà. Voilà, voilà. Et ben du coup, je vais m'arrêter là. Et on repartira pour la prochaine session sur les récolteurs. Et voilà. Et ben en tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé les vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne fin de journée d'ailleurs pour moi. Et je vous dis à très bientôt. Allez, à plus tout le monde.